Je suis Ali Reda, je suis ingénieur full stack, spécialité Java J2E. J'ai commencé mes études à Paris 7 en faisant des études d'ingénierie informatique et j'ai intégré l'EPITA pour faire des études en ingénierie logicielle avancée. L'ingénieur full stack, c'est un informaticien qui est capable de toucher à toutes les couches qui constituent un système d'information. Donc, il est capable de mettre en place la base de données, de mettre en place les web services, mais aussi de mettre en place l'interface graphique pour interagir avec l'utilisateur. Il est aussi capable de traiter des problématiques liées à la sécurité, comme bien évidemment les problématiques liées au réseau. Notre dernier projet en date consistait en fait à mettre en place un logiciel pour une société qui était spécialisée dans le recrutement. L'idée, c'était de mettre en place un site web et une application mobile. Et l'ingénieur full stack était amené à mettre en place la base de données, mettre en place les web services et mettre en place en fait les interfaces graphiques pour la partie web et pour la partie mobile. C'est un métier qui est très demandé par les grandes entreprises et les petites entreprises. Les petites entreprises parce que ça leur permet d'avoir des ingénieurs capables de mettre tout un système de A à Z. Et les grandes entreprises parce qu'elles savent très bien que ce sont des ingénieurs capables de résoudre des problématiques transverses et être capables de fédérer toutes les équipes qui constituent un système d'information. Le poste d'ingénieur full stack m'a permis d'accéder à des opportunités importantes, par exemple chef de projet, puis directeur de projet. Et bien évidemment, la perspective d'avenir et le souhait de tout développeur full stack, c'est d'accéder au poste de directeur de système d'information.